Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul. Donc c'est un haul back to school avec la marque Ifyo. J'ai fait une petite sélection et ils m'ont envoyé deux produits en plus que je vais vous montrer. C'est pas trop mon style et tout, donc je préfère pas le porter. Voilà, je vais vous montrer ma petite sélection. C'est parti. On commence par cette tenue là. Mon top, c'est un haut très basique, donc c'est un body avec des boutons comme ça. Je le trouve trop joli, je trouve qu'il fait classe. Vous voyez, vous pouvez mettre ça pour la rentrée. Personne qui travaille, puisqu'il y a du tout âge sur ma chaîne. On est beaucoup de filles avec des âges un peu différents. Donc, ça rentre dans la catégorie de tout le monde. Et avec le body, j'ai décidé de faire une tenue. J'ai pris un cargo. Le cargo, il est comme ça, je le trouve hyper joli. Je vais vous montrer les détails de près. Donc, vous avez une petite ficelle pour resserrer au niveau de la taille. Je précise, j'ai une gaine. Les filles qui ont regardé mon dernier haul. Enfin bref, c'est pas le sujet. Sinon, après, vous avez des poches ici, ici. Et une vraie poche. Un cargo, quoi. C'est un cargo, quoi. Vous avez des poches. Ce qui est logique. Dans mes hauls, je fais des efforts. Je vous présente les tenues que je fais. Sauf si, vas-y, je fais pas de tenue. En plus de ça, je note mes tenues comme ça. Vous êtes fixés si vous les commandez. Vous savez ce que je pense. Pour cette tenue-là, je mets la note de 8 sur 10. Je la trouve trop jolie. Je la trouve grave belle. Le seul truc qui me dérange, en fait, c'est que le cargo, je le trouve pas assez long. Donc moi, je fais 1m67 et je fais 67 kg. Malheureusement, pour les filles qui sont plus grandes, je recommande pas le cargo. Pour les filles qui sont plus petites ou qui font ma taille et qui aiment bien la coupe comme ça, c'est pas sauté, mais ça arrive pas jusqu'en bas. Je le recommande. Sinon, non. Au niveau du haut, c'est un haut classique, rien à dire. Ça, on valide. Prochaine tenue. Deuxième tenue, les filles, je suis pas fan. Après, ça va dépendre de votre style. C'est un haut comme ça. J'ai l'impression que je suis un serveur. Ou peut-être avec des talons. Avec des talons, je pense que ça ferait joli. Un peu rentré comme ça, je trouve que ça passe. Genre, ça défroisse le truc. Et cette tenue-là, du coup, c'est pour les filles qui travaillent. Les working girls. Après, sauf si vous habillez comme ça, genre pour aller à l'école. Personnellement, moi, je sais que je ne m'habillerai pas comme ça pour aller à l'école. Pour les filles, par exemple, je sais pas, qui sont en entreprise, qui vont en alternance et tout. Vous pouvez mettre pour le taf. Vous êtes quelqu'un de classe, en fait. Vous voyez, quand vous marchez, dire, mais la petite alternante, là, elle s'habille bien. Elle s'habille bien pour son âge. J'ai dit tout à l'heure, en dessous, il y a ma gaine. Je le trouve archi grand et très long. Personnellement, c'est ce que j'aime. Donc, moi, ça me va. J'ai pris une taille L pour cet ensemble-là. J'ai pris du L au niveau du pantalon. Et du M au niveau du haut, je vais vous montrer le pantalon au niveau du bas. Regardez comment le pantalon il est bien long, bien fluide et tout. Vous n'êtes pas obligé de porter ça avec du coup le gilet. Avec le gilet, ça fait comme ça. Je trouve ça hyper classe. À force de me voir avec, je commence à aimer. Si je le porte, je ne vais pas le porter avec une paire de talons parce que ça va faire trop. Genre je trouve ça fait trop. Sauf si j'ai un événement, genre vous me dites un mariage, un truc comme ça, je te dis ok. Mais sinon, genre... Dans la vie de tous les jours, je mettrai une paire de baskets et une belle paire de baskets. Alors là, les filles, c'est pour tout le monde et j'aime trop la tenue. Elle est simple, efficace, je la trouve trop jolie. Enfin, elle est simple en vrai, mais j'aime trop. Genre, c'est un classique. Alors, petit haut comme ça, large, j'aime trop. C'est un haut blanc avec une petite poche ici et il n'est pas transparent. Et avec ça, j'ai pris un petit jean en taille 40. La tenue, les filles, elle est comme ça. Et ça pour aller partout. Vraiment simple, efficace, tu ne te casses pas la tête. Nous, on s'habille basiquement, mais le truc qui change tout, c'est la paire. Il faut des paires genre... Que tu te démarques. Quand vous avez des tenues simples comme ça, le meilleur truc à faire, c'est de prendre l'accessoire ou des accessoires qui vont faire la gif. Et la paire de chaussures, très important. Sinon, le jean, il est comme ça. Donc, c'est un jean ample, tout simple. Le jean, il est comme ça. C'est un peu effiloché, mais très, très, très léger. Et ça va, il m'arrive bien au niveau des pieds. Du coup, pour cette tenue-là, je mets la note de 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, c'est une tenue basique, mais moi j'aime beaucoup les tenues basiques. Et je sais pas, le jean, je trouve qu'il est vraiment trop joli. Mais vraiment trop joli. La couleur et tout, j'aime trop, genre on dirait les jeans, je sais pas, on dirait des mannequins. Parfois, les choses simples sont vraiment les meilleures. Encore deux pantalons à vous présenter. Et après, c'est des tenues, donc ça va. Mais là, j'ai pris un pantalon. Les filles, c'est un baggy. Là, je vais faire du breakdance là. Et du coup, le pantalon, il est comme ça. Il est archi bas, je déteste les pantalons taille basse, j'étais pas prête. Après c'est peut-être parce que j'ai la gaine et du coup mon ventre ne maintient pas le pantalon. Moi je pensais que le pantalon il allait être comme ça, vous voyez, un peu taille haute et tout. Pas du tout. Regardez les filles comment le pantalon il est. C'est très très bas, franchement je peux pas.
C'est trop relax. Je suis à deux doigts de faire le scorpion par terre et il y a une foule autour de moi qui fait ça. Non, franchement, non. Et je mets une note de 3 sur 10. Parce que le pantalon en soi, il est beau. Voilà, vous marquez la différence, tout ça, il a un petit style. Mais un pantalon qui est aussi bas, pardon, mais je peux pas. Je peux pas. Les filles, je viens de voir, là je suis en train de plier mes vêtements, il y a ça. C'est pour resserrer à la taille et ça fait grave la diff. En fait, ça peut vous faire un pantalon mom. Donc voilà, et j'ai pris une taille M parce qu'il me paraissait large. Quand vous resserrez à la taille, ça fait ça en gros. Purée! Pantalon suivant. Les filles, on est sur un pantalon simple, un peu jogging, pas trop jogging. Ample, marron, très joli, j'aime beaucoup. Vous avez une petite poche ici sur une des fesses. Bien. C'est un petit pantalon classe. Voilà. Tout basique. Vraiment tout basique. Vous voyez mieux, il est comme ça. Ça fait un peu jogging, mais en même temps, ça fait pas jogging. La note de 6,5 sur 10 pour ce pantalon-là, parce que c'est pas un truc de ouf. Il est beau, mais... Voilà, je sais pas, je me vois avec dans la rue, ou je me regarde dans le miroir, je me dis pas waouh. Genre, je me dis ok, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, j'ai pris cette petite chemise. Donc, c'est une chemise, je vous explique. Une chemise à zip au niveau du haut et en bas vous avez des boutons. Détachez tous les boutons et ça vous fait une chemise vraiment cintrée. Soit vous détachez les deux boutons et on voit un peu votre ventre, sauf si vous avez un pantalon genre très très haut, ou sinon vous attachez comme moi un seul bouton et voilà, après on peut voir le pantalon si c'est un taille haute. Là en l'occurrence c'est un taille haute. Je trouve que ce haut là il embellit de ouf la silhouette et après au niveau du haut c'est comme vous voulez. Soit du coup le haut vous le portez comme ça. Je trouve que comme ça ça fait serveur. Ou on dirait que je travaille dans un hôtel, je sais pas, mais j'aime pas du tout. Sinon vous le portez comme ça un peu ouvert. Et sinon vous pouvez complètement le décolleter. Bon, donc c'est à votre convenance. Pour moi je le trouve très beau comme ça. C'est très simple. Voilà, j'aime bien. Voilà pour le haut. Et au niveau du bas j'ai pris un pantalon simple. C'est une taille L. Il est hyper extensible. Genre vraiment. Et il est long. J'aime trop, je vais vous montrer. Donc au début, il serre un peu au niveau des cuisses. Et après, ça part en évasé. Voilà le pantalon. Il est trop agréable. Je pensais que j'allais galérer, genre à le mettre et tout. Et je l'ai mis trop facilement. Il est trop confortable. Il est bien stretch et tout. Rien à dire. Trop agréable. En plus, j'ai pas beaucoup de pantalons noirs. Donc on va aller de ouf. Pour cette tenue, je mets la note de 7 sur 10. En fait, j'aime beaucoup le haut et j'aime beaucoup le bas. Mais je trouve qu'ensemble, ça fait trop noir. Genre, je sais pas, je trouve ça too much. Je mettrais pas ce t-shirt là avec ce bas là. Je pense que je mettrais plus ça avec un jean. Et le haut noir, bah, je le mettrais soit avec un haut noir simple ou je sais pas. Mais pas avec un haut avec ces détails là. Alors pour finir, j'ai pris une petite tenue de sport. Évident, parce qu'on est dans un all back to school en fait. J'ai pris un petit top comme ça, basique. La matière, elle est trop agréable, c'est une matière maillot de bain. Il est trop beau, je le trouve trop beau. Donc vous avez des petits détails au niveau du col. C'est un haut, vous voyez, il est un peu long ici. Et après, ça remonte au niveau des côtés. Donc ça fait une plus jolie silhouette, je trouve. Ensuite, j'ai pris un legging. Donc le legging aussi, matière maillot de bain. Hyper confortable, mais il n'est pas long. J'ai pris une taille S pour le haut et j'ai pris du M pour le bas. J'aurais dû prendre du L. Après, ça gaine bien. Et le truc, c'est qu'il est sauté, donc je vais vous le montrer. Regardez par rapport à ma cheville et tout. Il y a ça de différence. Après, c'est pas trop dérangeant parce que c'est un legging. Mais quand même, j'aime bien les leggings longs. Si vous mettez des chaussures hautes avec, ça passe. Mais si c'est des chaussures basses, je sais pas, personnellement, je kiffe pas trop. Pour noter cette tenue-là, je vais mettre une note de 7,5 sur 10, voire 8 sur 10. Parce que le haut, je le trouve vraiment trop joli. Le bas, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il soit sauté. Voilà pour ma sélection. Maintenant, je vais vous montrer les deux articles qu'on m'a envoyés. On m'a envoyé un haut comme ça. Très bling bling. Vous voyez, c'est un haut que vous portez comme ça. Ensuite, on m'a envoyé un haut comme ça. Je préfère, mais c'est pas encore mon style. Comme ça, donc vous avez des petites chaînes ici pour que vous puissiez le mettre comme ça. Bon, je pense que vous avez deviné. Plus des hauts, je trouve, pour des soirées, des petits trucs comme ça. C'est pas des hauts que je mettrais, par exemple, pour aller à l'école. Pas ni pour aller au travail, clairement. Donc voilà pour les petits hauts et voilà pour ma sélection. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à du coup regarder la barre d'infos. Dans la barre d'infos, je vais mettre tous les liens des articles. Et vous avez aussi un code promo, donc il sera aussi dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ma petite sélection back to school
vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve sur mes réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.